Je m'appelle Rahmouna Salah. Je suis née le 12 juillet 1966 en Algérie. À Oran, nous sommes 7 enfants, 5 filles et 2 garçons. Alors, haine des femmes n'est pas une petite affaire. Ça concerne un lynchage de femmes qu'il y a eu à Hassim et Saoud le 13 juillet 2001. Ordonné par un imam de quartier. Armé de gourdins, de bâtons, de couteaux et de sabres, l'expédition punitive ordonnée par l'imam Bel Aïcha aura lieu cette nuit. Un lynchage qui concernait des femmes qui travaillaient dans la cité pétrolière du Sahara algérien et qui ont été massacrées parce qu'elles travaillaient. Mourad, pas un vilain garçon, mais il ne m'attire pas du tout. Sa tête gominée afin de lisser ses cheveux crépus et ses petits airs supérieurs m'agace. Et donc, ça concerne aussi la vie de Rahmouna Salah, qui la raconte dans le livre, c'est un témoignage, le spectacle, de cette femme qui raconte son enfance, ses mariages, ses divorces, son envie d'émancipation par le travail. Et puis sa longue bataille juridique, en fait, après cette nuit-là. C'est au nom de Dieu que vous voulez nous faire subir tout ça ! J'ai senti un coup de poignard me déchirer le ventre. Le sang a jailli avec une violence qui m'a surprise. Énorme choc sur le visage. Tout devient rouge. Et donc voilà, ça raconte son cri de rage héroïque. Voilà.